J'envoie ce message à Lolita la baronne. Je ne sais pas pourquoi on dit que tu es une baronne. Quand on voit ta gueule, ce n'est pas une gueule de baronne que tu as. Je t'envoie ce message pour te dire que tu as raté d'apprécier l'homme. Peut-être parce que tu n'as pas les atouts. Quel homme peut se présenter avec toi? Aucun. Donc tu es vraiment dans ton rayon. Pour 2024, fais-nous un coming out que tu nous présentes ton épouse ou bien ton époux, la femme avec qui tu vis. Il faut être honnête avec soi. Présente-toi et dis officiellement aux gens à quoi tu goûtes. Moi, je suis avec les hommes. En 2024, je vais te présenter mon mari. Oui. Je vais te présenter l'homme avec qui je partage mes nuits. C'est très important. Pourquoi tu arrêtes de prononcer mon nom? Parce qu'on n'est pas dans le même créneau. C'est-à-dire, en tout, tu es inférieur à moi. Si tu avais une belle vie, tu allais éviter de parler de moi tout le temps. Tout ce que tu fais, tu rêves de moi. Est-ce que toi et moi, on a des acquaintances sur quoi que ce soit? Tu vas avec les femmes, je vais avec les hommes. Physiquement, je suis plus belle que toi. Pourquoi tu prends intellectuellement, je suis plus belle que toi? Même quand on s'exprime, tu n'as pas l'audimat que j'ai. Pourquoi tu penses que tu dois prononcer mon nom tout le temps? On se ressemble en quoi? Donc, en 2024, je te fais la promesse de ne plus te répondre parce que tu es inférieur en tout. Et l'aîné, c'est celle-là qui doit pardonner. Je te pardonne parce que tu n'es pas allé à l'école. Tu ne sais pas que tu ne dois pas prononcer le nom de quelqu'un n'importe comment, n'importe quand. Tu as déjà fait beaucoup de bêtises qui m'ennuient. Mon mariage, c'est toi qui l'as brisé. J'avais un ami en Suisse, c'est toi qui as brisé cette relation. Tu me vois avec petit pays, tu t'immisces. Qui te donne l'autorisation de faire ça? C'est l'ignorance. Je ne suis pas obligée d'être de ta région. Parce que si j'étais Bamileke, tu n'allais pas faire ce que tu fais là. Mais je m'en fous de ton tribalisme. Je m'en fous. Puisque pour moi, tu n'existes pas. Toi, tu me vois en Suisse, n'importe quand, n'importe comment. Tout ce que tu racontes en Suisse, est-ce que tu m'as déjà croisé en Suisse? Là où tu lèches les femmes, tu m'as déjà vu là-bas. Pourquoi tu t'intéresses à moi à ce point? Tu veux me cloner? Tu ne peux pas me cloner. Regarde-moi bien. J'ai enlevé mes lunettes. Hein. Toi, tu es obligé de te cacher derrière tes lunettes. C'est moi, Aline Zomo. Je te tourne le dos. Tu rêves de moi. Tu veux vivre comme moi. Est-ce que tu peux faire ça? Je t'ai lancé le défi. Vu de face. Rien en commun. Tu passes ta vie à prononcer mon nom. Tu n'as pas de vie. Combien de chanteuses tu as culbuté? Pourquoi tu penses que tu peux aussi faire ça avec moi? Tu ne pourras pas. Ça ne sera jamais possible. Fais ta vie. Si tu estimes que tu as réussi ta vie, parce que tu t'accouples avec les femmes. Mais fais ta vie. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça pour ajouter à ce que je sais déjà faire. Je n'ai pas eu besoin de m'accoupler avec une femme pour être ce que je suis. J'aime ma vie, j'adore ma vie. Tu me vois partout. Donc, je vais te dire qu'en 2024, je vais avoir 56 ans. Parce que je suis née à Paris le 20 janvier 1908. Et quand tu es née à Paris, il n'y a pas de jugement. C'est vous, vos âges, qui sont hypothétiques. Parce qu'on se demande, celle-là, elle est née dans de mauvaises maternités, dans de très mauvaises conditions. Est-ce que son âge est exact? Et quand on voit ton physique ambigu, on se dit, comment elle a fait? Comment tu fais pour prendre la parole sur Internet? Et il y a des gens qui te suivent. Tout ce que tu fais, tu inventes. Tu veux t'accorder les faveurs de qui? Des femmes. Parce que tu ne cherches pas les hommes, c'est les femmes que tu cherches. Et de toutes les femmes que tu cherches là, tu veux me rajouter dedans?
ton temps. Je n'ai pas ton temps. Je suis ta star. Tu rêves de m'accompagner dans ma carrière. Moi, je m'en fous. Ce que j'ai pu faire qui me valorise, c'est ce qu'on dira à mes obsèques. Toi, je t'emmerde. Tu n'auras jamais une vie comme la mienne. Tu as gardé ta couleur d'origine, mais tu ne me ressembles pas. Tu as vu? Je suis une femme noire. Je brille. Je porte une robe de verre noir, je brille. Je brille. Tu rêves de moi, je t'emmerde. Je ne peux rien faire avec toi. Il faut demander à ton frère. Ton frère, il me connaît très bien. Il va te dire que laisse la femme là. Elle, comme elle a dit non, c'est non. Ton frère connaît. Parce que j'ai épousé ton frère. Hein. Il faut souvent rappeler ce genre. J'ai épousé ton frère, je lui ai donné les papiers. C'est moi qui donne la parole à ton frère. Ne serait-ce que pour ça, tu devrais avoir un peu de retenue. Mais comme tu as la cervelle de moineau, c'est-à-dire, tu n'es même pas intelligente. Même si tu partais à l'école, tu n'allais rien retenir. Trop bête. Ton cerveau gicle seulement les pertes blanches. Tu me donnes des nausées. En 2024, tu me donnes des nausées. Tu peux continuer à faire ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. Je m'en fous. Sache que tu me donnes des nausées. J'ai envie de vomir. Tu me donnes des nausées. J'ai envie de vomir. Sincèrement, j'ai envie de vomir. Je vais boire du vin. Tu me donnes des nausées. Comment tu peux être aussi moche et prendre la parole sur Internet? Tu crois que tu peux coordonner toute la Suisse? Comme moi, je vais venir te demander quoi en Suisse? C'est ça qui t'énerve. Tu pensais que je suis le genre de femme qui est venue te dire je veux faire ceci, indique-moi comment on fait ceci. No one day. Je ne peux jamais rien te demander. Ça t'énerve. Je ne suis pas chanteuse de Bikutsi. Hein? Ce sont les chanteuses de Bikutsi qui t'ont donné ce que tu penses que tu as là. Moi, je t'emmerde, sincèrement. Je dis, tu me donnes les nausées. Tu me donnes des nausées. Comme tous les goûts sont dans la nature, les chanteuses de Bikutsi te font confiance. Mais continue. Mais moi, tu me donnes des nausées. Lolita la baronne, tu me donnes des nausées. Tu me donnes vraiment des nausées. Tu me donnes des nausées. Je vais boire à ta santé hein, pour la nouvelle année qui va commencer. Que tu continues l'idiotie. Je t'emmerde. Tu me donnes des nausées. Qu'est-ce qu'il est bon. C'est bon vin. C'est des sauternes. Moi, je t'emmerde, je te calcule même pas. Allez, quand je regarde, tu n'es même pas dans le rayon. Je veux que tu retiennes, que tu me donnes des nausées. Lolita la baronne, quand je te vois, j'ai des nausées. Quand je vois les filles bêtises avec toi, vous me faites pitié. Parce que moi, je ne peux pas marcher avec toi. Tu me donnes des nausées. Quand je te vois avec les chanteuses de Bikutsi, j'ai des nausées. Qu'est-ce que... Mais comme vous avez d'autres projets, d'autres programmes, c'est votre vie. Mais moi, tu me donnes des nausées. Lolita la baronne. J'ai envie de vomir. Aïe. À ta santé. Joyeux Noël. Et bonne année. Je t'emmerde. Tu me donnes des nausées. Une femme aussi moche.